Et salut à tous, c'est Titokofet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le nouveau contenu JCE, le challenge d'ascension qui arrive dans ce Modern War très bientôt, dès la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien. On va regarder en bref ce qui est intéressant à retenir dans cette petite notice. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et nous, directement, on est parti. Alors JCE, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire joueur contre environnement, on sait jamais, comme ça vous savez, donc ça veut dire un contenu PVE, pas un contenu PVP. Et du coup voilà, donc ce serait une espèce de trial of ascension V2 ou plutôt V3 ou V4, ça dépend, voilà, si vous considérez la TOA comme un donjon. On a les donjons habituels TOA, TOA Hard, TOA L qui sont ici, et puis ensuite on aurait un nouvel onglet Challenge of Ascension, nouveau contenu du coup qui apparaîtrait dès la semaine prochaine. Alors qu'est-ce qu'on va y retrouver? Eh bien, plein de tours. Une tour, normalement, feu, vent, eau, lumière, ténèbres. Donc, on aura 5. Et il y aurait également une sixième tour, la tour céleste. Tour céleste qui va monter jusqu'à 100 étages. Donc, pour la première mise à jour, hein, qui va monter, du coup, certainement plus haut, plus tard. Et en gros, il faudra terminer tous les tours d'attributs à 30 étages pour pouvoir débloquer la tour céleste jusqu'à 100 étages. Il te lâche un autre exemple, si vous terminez 7 étages, 12 dans la tour de feu, 5 étages de la tour de vent, vous pourrez progresser jusqu'au 24e étage de la tour céleste, tout simplement. Et globalement, ce sera de la TOA en plus difficile, c'est ce qui est annoncé déjà dans cette notice. Le challenge d'ascension porte bien son nom, même les invocateurs expérimentés le trouveront éprouvant. Donc on est sur un contenu qui sera encore plus compliqué que la TOA L et la TOA Hard, hein, c'est ce qu'ils disent. Voilà, le niveau de difficulté va dépasser celle du tribunal L dans ses étages supérieurs. Donc, un contenu où on va perdre nos heures contre du PVE. Voilà. Du coup, super fun. Je pense qu'on va se régaler. Ça va être génial. Heureusement qu'il y aura quand même des récompenses et que, eh bien, il n'y aura pas de consommation d'énergie. Donc, c'est affiché ici. Les combats dans le challenge ne consommeront pas d'énergie. Heureusement, parce que bah, j'imagine qu'on va faire beaucoup de try. Autre information intéressante sur ces donjons, ce sera du full manuel. Il n'y aura pas la possibilité de presse photo apparemment de ce qui est écrit. Du coup, full manuel, plein d'étages, difficulté au-dessus du TOAL. Waouh, ça, je vous dis les gars, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Au niveau des règles basiques des tours, c'est un petit peu comme pour la TOA Hard L normale. Vous avez du coup 3 stages et il y a 5 mobs et il faudra juste les tuer. Seule particularité, vous aurez 300 coups maximum pour passer les 3 stages. Donc si vous faites plus de 300 coups, ce sera considéré comme une lose. Et du coup, bah, il faudra lancer. Par contre, je vois, on peut potentiellement presse auto. J'espère. Potentiellement, on pourrait quand même lancer du presse auto si on a des compos solides. À voir un petit peu si c'est possible ou pas. On va serrer les fesses. Hein. On va serrer les fesses. Mais si c'est comme le TOA L, on ne pourra pas presse auto, ça ne marchera pas. Petite règle intéressante, dans les tours d'attributs, vous pourrez seulement utiliser des monstres d'attributs correspondant à la tour qui peuvent être utilisés. Donc ce qui veut dire que dans une tour feu, vous pourrez seulement utiliser des mobs feu, mobs eau pour la tour eau, etc. etc. Ce qui signifie qu'à mon avis, il y aura pas mal de mobs, eh bien, 3 stars, 4 stars, qui seront forts pour cet étage-là, et certainement que le Balloon Patch qui va arriver, à mon avis, dans 2-3 semaines, il y aurait quelques hubs justement de mobs pour pouvoir justement réussir à passer ces étages-là en étant free-to-play. Parce que si vous n'êtes pas capable de monter dans les étages, ça va vous tilter parce que vous n'avez pas laissé la CNAT ou quoi que ce soit et du coup vous allez abandonner. Donc je pense qu'il y aurait moyen qu'il y ait quelques 3 stars, 4 stars qui se fassent buff prochain BP justement au vu de ce contenu. Bon, le screenshot qu'on voit ici, on voit des éléments différents, c'est la tour céleste pour ceux qui demandent. Bon, du coup, on a des boss, donc c'est la Lyrite qui va revenir pour faire tous les X étages son apparition, donc tous les 10 étages, c'est marqué ici. Donc il y aura Lyrite et Ataros qui vont revenir avec d'autres spells. Hein. J'imagine qu'ils vont revenir en mode feu, en mode eau, en mode light, dark, tout ça, tout ça. Pour les spells, ça ne nous intéresse pas trop, on va pas trop s'attarder là-dessus. Il y a également pour la Tour Céleste un nouveau boss qui arrive, et lui, sur le coup, il est vraiment pas mal. Voilà, il s'appelle Asmodée. Il est plutôt joli, hein, honnêtement. Bon, il n'a pas trop de pixels, hein, mais il est joli, pour un boss, c'est pas mal. Et lui, il va apparaître tous les 20 étages dans la tour céleste. Voici pour les spells, on ne va pas s'amuser à lire tous les spells, mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que le cristal de feu
Riz est un petit peu toxique. Si vous voulez prendre la peine de lire le spell, en supplément, les cristaux ne perdent pas de PV, mais changent d'attribut en fonction du nombre de fois qu'il est touché tant que l'attaque n'est pas cooldancing. Sachant que le cristal de feu est activé sur le champ de bataille, les dégâts des attaques d'attribut feu augmentent de 50%, tandis que ceux des attaques d'attribut vent diminuent de 25%. Donc à moins que ce soit bien casse-couille, ces petits cristaux-là, l'attribut avec Asmodée, donc on verra bien ce que ça donne in-game. Mais je m'intéresse pas trop au spell parce que juste là écrit comme ça, c'est compliqué de se faire une idée si ça va être bien ou pas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les récompenses parce que ben, vous voyez bien que ça a l'air d'être compliqué et lent comme contenu. Vous avez quand même du coup des récompenses. Une chose que je n'ai pas mentionné qui est très importante, c'est qu'il n'y aura pas de reset. Hein. Le contenu que vous faites, vous le terminez une fois, c'est terminé. Il n'y aura pas une deuxième fois, une troisième fois. C'est une fois et après c'est tout. Donc les récompenses sont uniques. Au niveau des récompenses, du coup, pour l'étage 1, 11, 21, 31, 41, vous aurez, en fonction de quel donjon vous serez d'attribut, vous aurez 3 VLA. Voilà. Feu, eau, vent, ou bien des VLA mystiques pour les LD. Ils ne vont pas vous filer des LD justement, ils ne sont pas bêtes. Hein. Pour l'étage 2, 12, 22, 32, 42, 300 d'énergie. Pour les 3, 13, 23, 34, 3, vous connaissez la chanson, 3 artefacts d'attributs légendaires aléatoires. Puis ce seront des runes légendaires 6 stars aléatoires. 2 pierres de réval, donc ça c'est plutôt intéressant. 3 vélins gravés. 20 points d'énergie dimensionnelle. 3 artefacts de type légendaire aléatoire à nouveau. 3 runes 6 stars légendaires. Et tous les étages boss à Devilmon. Voilà, donc quand même pas mal de récompenses honnêtement. En termes de réval, Devilmon et des vélins, franchement ça y va. Parce que vous faites ça x5 hein, à chaque fois. Et tous les 10 étages, ça donne beaucoup de récompenses. Ensuite, pour la tour céleste, donc là, ça va plutôt de 1, 21, 41, vu que c'est, il y a 20 récompenses, vous aurez des cristaux, Vela Mystique, des gemmes légendaires aléatoires à nouveau, des runes légendaires aléatoires, des pierres de réval, des cristaux, des Vela Mystique, des mules légendaires, des pierres de conversion légendaires aléatoires, donc ça, c'est pour les artefacts. Des Vilmon, tous les 20 étages, enfin 10, 30, 50, 70 plutôt, dans ce sens-là. 50 cristaux, 3 vélins mystiques, 3 gemmes légendaires, 3 runes 6 stars légendaires, 1 vélin légendaire, 50 cristaux, 3 vélins mystiques, 3 mules légendaires, 3 pierres de conversion légendaires et DLD tous les 20 étages. Sachant que cette tour va jusqu'à l'étage 300 je pense. Du coup vous avez beaucoup de récompenses hein, au final. Et bah, chaque mise à jour en fait on pourra monter un peu plus haut. Je vous avais dit un petit peu jusqu'où on pouvait monter à la première mise à jour jusqu'à l'étage 100 maximum pour la tour céleste. Vous avez également des récompenses supplémentaires quand vous terminez un étage, donc l'étage 25, 50, 75, 100, 125, 200, tout ça, tout ça. Pour les tribunaux d'ascension, donc normal, L, vous avez également une récompense supplémentaire. Donc voilà, des petites récompenses en plus, ça c'est cool, on dit pas non. Et globalement, voilà, c'est un petit peu près tout pour cette mise à jour. Donc je vous ai dit, j'allais faire très bref. Donc un contenu PVE, fatigant à faire, mais qui donne beaucoup de récompenses. Vous ne pourrez utiliser qu'une seule fois, la difficulté sera très élevée. Moi, quand j'ai découvert ces mises à jour, je me suis potentiellement lancé un petit challenge. Dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir ou pas. Mais je me suis dit que pendant 1 ou 2, 3 mois, j'allais pas toucher à ce contenu. Attendre qu'ils sortent des étages supplémentaires et faire un gros stream sur Twitch Marathon où je fais tous les étages, genre ce bâton. Et je fais full étage, je m'arrête pas, jamais. Et évidemment, on en fera un petit condensé pour YouTube plus tard. Donc dites-moi si cette idée pourrait vous plaire ou pas. Voilà, moi je suis potentiellement prêt à le faire. Mentalement ça va être compliqué, mais en vrai j'ai jamais fait ce genre de bail et je me dis ça pourrait être fun. Donc j'espère que cette petite vidéo bah, t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et ciao ciao les potes, c'était Tito.